tout le monde qui vit dans Port-au-Prince. Les gens qui respirent, parce que nous ne pas vivre. Nous avons respiré parce que nous ne pouvons pas vivre. Je demande nous. Prends un dernier engagement. Prends une dernière responsabilité. Parce que, faut que nous disions, nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. Faut que nous clairs sur ça. Faut que nous admettions que nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. Et son véritable engagement que lié, nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. Dans ce sens, nous devons jouer partition par nous correctement. Correctement, nous devons jouer partition par nous. Nous pas capable de temps. Par temps encore. Et mes amis, nous avons fait tirer ça pour en guise de rappel. Pour nous permettre de comprendre qui s'est pas passé dans votre presse là. Qui sont que vous devez camper. Comme qui stratégie qu'on développe, qu'on doit développer. Pour capable arriver à destination. Maintenant, m'a dit nous que après assassinat président Jovenel Moïse, 33 mois après, il y a une possibilité pour nous lire, identifier tout haïtien qui dans politique dans pays d'Haïti qui gagne ont-ils l'amour pour Haïti. Nous passer dans passoire. Gagne qui était nous à la dernière minute. Même grain que nous te croyons dans lui. Il finalement tombé, avec il pas arrêté. Là nous gardons dans panier nous pas joindre dans classe politique là, yon haïtien natif natal qui gen l'amour pour Haïti. Tout ces volants. Là nous passer dans panier nous ouais nous pas joindre yon grain nan k'ap fè politique dans pays ça. Qui moun de bien tout ces volants. Nous avons passé pour nous quitter ministre parce que son poste nomination qui était baou, nominatif qui était baou, il était nommé où, directeur général, premier ministre, directeur général, tout ça. Nous passons dans la haine, nous avons fait nous environnement, pour une stratégie qui est roulée pour nous arrêter. À la dernière minute, nous n'avons pas qu'à toutes ces volants. Et mes frères, avec ça, nous pensé que nous n'avons pas d'espoir. Mais nous toujours prié. Nous toujours prier, nous toujours dit grand architecte là pour lui mettre lumière sous chemin nous. Nous dit le ciel nous gagne volonté. Ou toujours m'aider pour nous faire bagaille pour capable aider nous. Et ben nous m'a dit que conviction nous fait sous bataille pour libérer pays d'Haïti ya. Et n'a bataille quel que soit les prix à payer, nous prend responsabilité nous pour nous faire combat. Nous dit bon Dieu accompagne-nous et nous identifier trait yo parmi monde de bien yo. Et nous comprendre la gagner pour capable avancer. Mettez des beaux grains sous chemin nous pour nous avancer. Mais c'est dans le même moment, le ciel fait nous un vrai focus là sur Guy Philippe. Guy Philippe était pour le délibérer depuis le 6-7 janvier 2023. Est-ce que nous rappelons ça? Eh bien, ça va arriver fait. Rendez-vous vient casser pour 7 septembre 2023. Nous sommes adelante. Pendant que le commandant Guy Philippe est en prison, il voit une voix par un monde qui est proche de lui, ben moins info beto. Il m'a demandé pour que je passe la voix. C'est le même temps de voix tout d'abord. Et que nous apprenons que c'est Nenel Kassi, Camille Edouard Junior, Justin Brivert, qui a monté un complot. Avec un commando, automatiquement Guy Philippe Lague qui était prison aux États-Unis, il a déporté le voyage à Haïti. Pour ne pas assassiner Guy Philippe, automatiquement il a quitté la porte là. C'était plein ça qui était gagné. Nous avons gagné information. Même côté, nous relayons aux amis qui proche nous, qui se stand les Lucas, nous voyons audio à Poli, M. Tim, soit M. Djoula, pas de doute dans ça. Stand les Lucas dit, à nous propager bagaillan pour nous dénoncer plan ça. Stanley Lucas m'a pas tendu au border. Lui dérangeait m'a pas le fait que m'a pas tendu ou c'est un allié sûr. Ou c'est un vrai allié dans quatre batailles que n'a mené. Nous pas contre sacrivo. Il dit nous tel bagaille mais nous pas de confirmation sur rien. Stanley Lucas, c'est une possibilité même si son texte ou quoi ben moi dans tout numéro contexte moi yo fait nous joindre ni.
parce qu'il est extrêmement important. Et si on proche tant de tout, qui va côté les monsieur Dagon Malaise, et de nous joindre un petit signe de vie, parce qu'il est important pour nous. Et mes frères, avec ça, le commandant Guy Philippe, voyez, voice là nous tendel, et bien nous dit comme ça que, pas de problème, nous comprenons ni, nous elle des amis en bas, ou dit nous bientôt, so ouais, commandant Dia, c'est bon, j'ai information le gars, parce que monsieur, il y a moun tout côté, monsieur, il y a moun tout côté, monsieur, il y a qui joue en amel. Et bien nous frapper, nous frapper, nous frapper. Cette l'arrivée, gros bagage qui pas fin clair. La justice américaine te qui en bail l'ordre pour que commandant Guy Philippe quitte prison, ordre libération en amé déjà. Eh ben, yo prend commandant Guy Philippe metel nan bus depuis et m capable di non nan 6 dans la soirée pour matin 7 l'an pour le prendre direction airport pour voyer l'Haïti avec l'autre prisonnier, te gen environ 12. Eh ben, commandant Guy Philippe monte bus déjà. Dans matin, c'est garder le garder l'ouais, il dit comme ça que li mettre descendre bus là, c'est 11 messieurs qui pour aller. Question à poser, tout le monde pas comme ça que t'as fait. Yo prend Guy Philippe de grand prison pour aller dans l'autre espace ensemble avec mais qui dans même ville là toujours. En pile question à poser. En pile zami après l'en dit beto, il y a une préparation qu'a fait pour que yo pour commandant qui est arrivé dans pays d'Haïti. Moi dit OK. Nous frapper. Nous frapper de septembre. Commandant Guy Philippe vient arriver, libéré et rentré dans le pays d'Haïti 30 novembre 2023. Je voulais frère avec ça, m'entendez? Parce que l'émission ça, nous avons pile bagaille que nous prenons là-dedans. Bataille à soude pour le livrer, ou de connaître tout parcours combat et partager information en amont ensemble avec vous. Sous ça que le fait, yo. Parce qu'il y a public. Bien que, il y a des styles anciens, on n'a pas obligé de kembe pour nous toujours. Parce que nous connaissons face bataille arrivée à l'insensible, en pile. Mais de fait, nous obligé de kishoy. 30 novembre, généralement, Guy Philippe rentre sous piste aéroport international tout sur le voiture là. DCPJ, tout vient prendre Guy Philippe. Avec l'autre, monsieur qui était prison aux États-Unis, qui est déporté, il a tout pris direction de DCPJ ensemble avec lui. Pardon. Au niveau de la DCPJ, nous avons une vidéo de Guy Philippe. Li sourit. Ça veut dire qu'il sourit sur le sol là, côté le TBC Vinian. Quel que soit sa crivé là, il arrive même arrivé là. Même côté, nous parlons avec des amis dans la gradance. Il a préparé bon rara tout baganette, à chauffer pour plaisir pour Guy Philippe. OK. Eh bien, c'est gardé, ouais. DCPJ gon oule m debo kap bay. Faudrait que le compte a poule m debo. Nous j'ai une information, son dossier n'est pas cherché, monté avec Pierre Espérance. Pour son bagay soit disant que t'es passé au kay, yo t'en vi mette Guy Philippe là-dedans comme quoi que Guy Philippe t'a assassiné policier. Dossier a pas kembe au kay. Pas très poché. Guy Philippe de rien, tribunal local, pas de revoche Guy Philippe de rien, DCPJ pas qu'à gagner dossier, dossier pas qu'à monter. Deux jours passés, ils ont senti la rue commencer à chauffer. Jérémy commence à frapper fort. Okaï a répondu. Gonaï va parler. Port-au-Prince commence à checker check, check ça on ni. Équipe qui est en place là estime que yo pas qu'à prendre chalet, ben yon la gagne monsieur, pour monsieur pas venir au problème. Oh oh, finalement, Biko, c'était le 3 décembre. Guy Philippe quitte DCPJ. Wash maman, tout détail vient de nous. Guy Philippe quitte DCPJ. Guy Philippe prend direction au Kay. Li parle sous place gelé parce que c'est nèg dans sud. Et puis il prend direction dans tête caravane, motocycle qui était sorti Jérémy. Au Kay, sorti dans Nip, accompagné pour rentrer dans Gradas. Guy Philippe rentre dans Gradas. Guy Philippe prend direction la Kaili Pestel. Rad maré, tout le monde mande enragé, commandant Guy Philippe, général Guy Philippe. Guy Philippe commence à marcher. Salut le monde de porte en porte, parce que monsieur estime que
seul moyen capable remercier paysan dans grand nation c'est al wè yo ba yo yo ti accolade parce que monsieur té gè toute information ouais image côté que tout paysan dans grand a fait ticket 25 goud 50 goud 30 goud 40 goud et 10 goud 15 goud 5 goud y a metté dans la haie nos kafou pour ressembler pour qu'elle acheter dollars américains pour voyer payer avocat pour Guy Philippe à l'étranger. Ça yo c'est preuve d'amour. Ça yo c'est preuve d'amour. Ça yo c'est l'amour pour un compatriote. C'est l'amour pour un militant, c'est l'amour pour un soldat, c'est l'amour pour un combattant, c'est l'amour pour un leader. Guy Philippe inspire peuple la confiance, peuple a estimé que gon habit qui fait quelque part Guy Philippe c'est espoir yo, c'est elle quatre yo, y a sacrifié pas tous les moyens. Yo fait mobilisation. Yo levé campé, yo frappé, yo parlé. Yo collecter même petit l'argent pour yo jouer nos quantités pour acheter dollars pour yo voyer payer avocat pour Guy Philippe parce que yo apprendre que Guy Philippe gagne des difficultés pour payer avocat. Guy Philippe marche saluer moun yo et remercier yo. Monsieur yo planifier équipe mission en gardance. Yo annoncé que Guy Philippe a prend la parole. C'était 5 décembre 2023. 5 décembre 2023. Guy Philippe, il a annoncé que Guy Philippe a pris la parole dans Godas. Mais quand il prend la parole. OK? 5 décembre 2023. Image n'a pas gardé là. On salue l'équipe de Cause TV. 5 décembre 2023. Guy Philippe prend la parole dans Grenas pour dire. Et c'est ça qui est important pour bataille qu'on a fait pour qu'on ait qui parcours qu'on fait avec mouvement révolution et qui compte au guetanier pour le moment. Sa cause, avant que je rentre, en deux moments pour l'émission, nous avons pour les voir faire parcours ensemble avec vous. Pour capable connaître de côté de sorti à côté nous river. Et ça qui est important pour nous même dans la plateforme YouTube mais faut bientôt. Ça que nous demandons de partager mission hein, parce que nous extrêmement nous trouvons que c'est extrêmement important pour faciliter plus amis effectivement participer ensemble avec nous. Très intéressant. La parole que commandant Guy Philippe prend sous place publique dans Jérémie entendez ça qu'il te dit le ça 5 décembre officiellement Général a pris la parole. Ou nous attendez avec un peu d'intérêt. Et puis partagez avec vos amis pendant qu'on mette vive président Guy Philippe. Justice pour président Jovenel Moïse. Vive président Guy Philippe. Justice pour président Jovenel Moïse. Pas jouer avec vous. En avance. Commandant Guy Philippe. Il y a deux gens pour le finir. Ou bien que vagabond, malfaite par le pays, passe sous un trait. Ou bien nous prenons pas de la nous t'aide bien. On nous reprenne parole ça, c'est extrêmement important pour chaque grain dans nous. On nous reprenne. OK. Il y a deux gens pour le finir. Ou bien que vagabond, malfaite par le pays, passe sous un trait moi. Ou bien nous prenons pas de voilà. Moi connais que dans bataille moi rentré là. Il y a deux façons pour le finir. C'est soit criminel, assassin qui parle mes pays, passe sous entraille nous, ou bien nous passe sous entraille yo. Eh bien, peuple haïtien, li pi facile pour passer sous entraille yo. Parce que, ou pi plus, depuis nous mettons tête nous ensemble, yo pas kakembe. Et de fait, nous montrer que nous passé sous entraille yo. Parce que depuis là, nous entamons le combat ça. Nous arrivons jusqu'à ce que il y ait des couches de société qui prennent les armes, qui combattent le gouvernement quelque part qui nous rend service. Ils foutent l'idée. C'est l'idée de révolution qui fait chimel. Ça veut dire qui ça? Nous avons passé sous entraille par n'importe qui moyen. Et je me dis, mon Dieu dans le ciel là, que moi je m'en pile, qu'elle connaît moi je m'en pile. Parce que son Dieu qui accompagne, son Dieu qui protège, son Dieu qui donne protection dans tout sens parce que criminel, assassin, quelque part, ils parlent bien, même gentleman nous parlons bien. Nous travaillons tout pour nous parler bien. Parce que nous parlons bien.
Nous demandons bon Dieu dans ciel là. Nous disons bon Dieu pour nous sortir. Quel que soit monde, quel que soit façon, et qu'on capable ou capable de nous sortir, permettre nous sortir. Qui n'est pas qui moyen qu'on capable aider nous sortir dans Ariel là pour nous traverser dans cette étape aider nous sortir. Nous demandons bon Dieu ça. Nous demandons le ciel ça. Nous demandons grand architecte de l'univers ça. Bon Dieu dans ciel là, tant de prier nous. De dire, bon Dieu, n'importe qui moyen n'a pas accepté le, parce qu'il m'a donné pour sortir dans Ariel. Mais à la dernière minute, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, parle avec tout monsieur, parce que parole arrive dans Oreli. Il parle avec tout nègre avec Zamio. Parce que si c'est moi et ça, bon Dieu, bon sorti, moi m'accepte le. Et m'a dit, bon Dieu, merci pour ça. Nous te devons sortir avec Ariel pour nous capables de traverser l'autre étape, parce que Ariel, c'est une étape. Équipe Ariel, là, sont l'autre étape. Troisième étape et dernière étape, c'est système définitivement. Retire Ariel, système n'a pas frappe. Équipe Ariel n'a paniqué au Namao, système n'a pas frappe. Oliga Kompi a pris un avion, peut-être qu'il paye, après l'hélicoptère, peut-être qu'il paye, système n'a commencé pour frappe. Dernier bataille, c'est mettre exactement général dans le palais national. Et c'est exactement ça qu'on fait. Pas de doute dans ça. Eh bien, nous te dit comme ça que, pas n'importe qui m'a sorti. Eh bien, barbecue, nègre avec Zamio, vin estime que ça passé 7 février 2023, dans le 11 l'an, en face de la boule 10 l'an, yo estime que son injustice que lié, yo c'est des criminels notoires. Yo voyez que Ariel Henry utilise gang yo pour trouver des agents BESAP. Eh bien, révolution pour libérer son pays d'Haïti, bon Dieu, utilisez monsieur Sayo, il dit qu'on s'en la paix de nous. Bon Dieu, aidez nous. Bon Dieu, capé de nous, pas d'accord. Oh, le ciel qui est même dans pile là, oui. Fais-le, non, non. Grand Dieu, Jéhovah Mlanri. Fais respect nous. Eh bien, bon Dieu, parce qu'il dit comme ça que Ariel décide de prendre les armes pour attaquer des gens dans la population civile. Parce que nous voyons que dans quatre mobilisations qui ont fait depuis le 3, 4, 5, pour arriver 6, nous avons cette violence, brutalité totale avec des gens qui habillent un policier qui quitte le tennis dans le pied ou ces gangs. Il y a tiré à haut des dames, il y a tué la population, il y a gaz avec moi, j'ai un pété des journalistes. Nous disons comme ça que, niveau violence, ça, prends là, fuck bon Dieu tabac dans l'autre bras. Oh! Mais mon cher, quand tu n'as pas de cuite, papa, nous t'attendons. Ariel vient se sentir confortable. Il lance le commandant pour tout et commandant Guy Philippe. Bon Dieu fait le page Guy Philippe. Malheureusement pour nous, pour Nation 1 et pour Agent Bessapio, nous avons arrivé assassiné Agent Bessapio. Et il faut nous rappeler où? Moun ki implique dans le cas d'assassinat, sa, fusillade sa, crime sa qui fait sur Agent Bessapio. C'est magistrat Petionville qui se Kessner Normil. C'est Ariel Henry, premier ministre de facto à l'époque. Là, nous, 7 février 2023. Moun ki implique dans tout Agent Bessapio. N'a pas cité pour Ariel Henry à la tête, premier ministre de facto. France LB à la tête. Chef de la police AI, gang criminel, gang fantôme, section 9, terroriste. André Michel, SDP. Nenel Kassi, SDP. Jocelyn Privert, SDP. Jean-Bertrand Aristide, qui prend décision parce qu'il faut que tout y ait Guy Philippe. On pourrait le parler, pays. Il faut que la nation comprenne. Oligarque Kompi, il dit seul moyen pour nous stopper, ça c'est tout y est. DDA, responsable commissaire Petionville, Patrick Domainville, magistrat Petionville. Tout nègre met tête ensemble pour assassiner général nous, chef révolution nous, qui sous écran, qui c'est Guy Philippe. Et n'a pas rappelé où? La peur commence à changer de camp. Bon côté, équipe qui a pouvoir en place là, première fois dans la vie Ariel Henry, depuis l'heure que les prend pouvoir, les groupes qui ont sauté, c'était exactement là Guy Philippe qui a pris la parole 14 janvier 2024. Pour que lui annonce public là, deux messieurs de vous même, qui a 15 janvier, hein, mettez pied à terre, fait sangue pour nous faire dans le pays. Et bien effectivement, Guy Philippe te la gon vidéo pendant 11 minutes. Nous prenons le relais, nous demandons des peuples là pour prendre responsabilité, pour prendre engagement. Et bien effectivement, je dis, j'ai comme un peu toujours dit, chose faite. 15 janvier 2024, à partir de 11h du matin, c'est quand on garde Wana pour répondre. Gonaïve répond, Kapaïsien répond, Port-au-Prince frappé, Miragouane frappé, Wash maman, Okaï même c'est pas parlé, Jacques Mel dit pas prêt indifférent. Oh!
département sans frappé. Presque 10 départements pays à mettre pied à terre. Ça veut dire qui ça? Guy Philippe représente une véritable menace pour l'équipe qui est au pouvoir. C'est ça qui est important pour qu'on ait pas cours dans la révolution ça, pour qu'on effectivement qui sort fait, qui progression qu'on fait, qui exploit qu'on fait, qui avancement qu'on fait. Est-ce que ça va dans la tête que vous commencez à exécuter? Et c'est ça qui est important pour nous. Qu'on reconnaît même comme peuple. On avance. Et bien naturellement, ça qui passe, peuple haïtien, 15 janvier, peuple répond à l'appel. Il y a une vague là. Une frustration là. Et bien, ça janvier, dans l'après-midi, selon l'information qu'on a gagné, Ariel Henry a rencontré avec JBA de Tabar, Tipe. Nous ne comptons pas ça qui dit, parce que nous ne pas réunion. Mais ça qui vient de passer après permet de nous comprendre effectivement qui décision que tu prends à travers la réunion. 17 janvier, Ariel Henry débarqué dans le quartier général Force Armée d'Haïti. Mes amis qui t'aiment saluer, non, je suis arrivé loin, oui. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que je m'assemble avec nous sur la plateforme Panoa, qui est la plateforme YouTube, Maman Pemba, la plateforme Pays Poté, la plateforme qui n'est pas peu chère, la plateforme qui a dit le génie, la plateforme qui croit dans la vérité, la plateforme qui croit dans la bataille pays, la plateforme qui croit que c'est avec Goumé qui n'a pas fait et qui n'a pas capable de retirer le pays, la plateforme Maman Pemba, la plateforme YouTube, Info Betoa. En avance, mettez pied à terre parce que la bataille a lancé. En avance. 17 janvier, Ariel débarque dans le quartier général Lamia. Sous chef de masse là. Panique totale. On l'a mis qui était là, qui n'a pas humilié. Même équipe qui a pris le lambé ça pour banan sous Jovenel là. Nous avons tout n'a pas support, force armée d'Haïti. Dit à hypocrisie totale. Et c'est Jovenel qui a parlé, ouais. Tout ça Jovenel Moïse fait pas bon. Il décide de prendre tout ça Jovenel Moïse fait. Mais comme Lamia a des âmes dans elle, c'est des militaires professionnels. Là, on dit que ça que, il a utilisé le. Oh! Satuné, qui se cousin Ariel. Monsieur prend quantité militaire, mettez les dol. Ariel Henry, prend près de 90 militaires, déployés les dol. Périmètre sécurité, comme si pour rapprocher Ariel, il mette les policiers dans le périmètre extérieur. Mais dans le périmètre intérieur, c'est des militaires qui sont des agents de sécurité pour Ariel Henry. Il dit, oh! Il n'y a pas de total, Guy Philippe a avancé. Et puis, après 17, bon 10h, 11h du soir, mon ami qui relève Dimbeto, il passe zone, Kafou Publin, pour le rentrer exactement dans la zone tabac, tout près de l'université et je m'étais ici de là. Monsieur Dim, de Kafou Publin à Mon Ketan, Salouel pa ka pale. On dit ça qui passé. Monsieur dit mon cher, route nous c'était toujours sorti passer Kafou Publin parce que la gonti de sécurité, c'est la réalité de Kafou Publin. Jusqu'à côté Kay Arielien parce que machine passé dans zone en pied devant. Yo estimé que gon volume sécurité, gon volume militaire sont à tête chargée. Et vous avez posé des projecteurs que vous mettez dans la zone éclairée. Mais vous avez panique totale, oui. Dans la zone, parce que vous avez peur. Et autant d'autres dans ce qu'on parle là, le peuple a dit que la vine prend. Les assassins de Jovenel Moïse qui n'ont pris Mathieu là. Et la vine prend. Criminel assassin qui n'a pas pouvoir ça. Ariel renforce la sécurité. Là. 18 rivés, panique totale. 19 encore. Ariel prend direction Grand Quartier Général Force Armée d'Haïti encore. Oh oh! Li prend l'autre contingent militaire de 90 yo passe à 150 militaires derrière yo. Nèg yo peur? Nèg yo peur? Jeune soldat déployé, nèg yo peur? Ben nous dit que n'a pas avancé. Parce que li important pour qu'on ait pas qu'on fait avec révolution ça. Sorti 30 novembre qui fait libérer le pays, 5 décembre il prend la parole, 1er janvier révolution lancée. 14 janvier, Guy Philippe frappé. 15 janvier, peuple a répondu à l'unanimité. Et puis, Maman Pemba.
Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est ça qui passe. 19 janvier, Ariel Henry estime que quand c'était militaire, il n'y a pas suffi. Il faut le prendre plus. Parce que après déclaration Guy Philippe fait, Guy Philippe annonce que la prête pas de presse. Ariel, ouais, qu'il n'y a pas fait police confiance. Parce que le temps de Guy Philippe dit clairement, il y a police qui va accompagner yo, il y a militaire qui va accompagner yo, il y a un pile agent de sa qui va accompagner yo, et avec peuple pour prendre la rue, pour faire ça, pour faire. Panique totale. Eh bien, ça qui passe. Équipe. Ariel, là. Vinoué, finalement, il faut que tu aies débrouché Grendan et Philippe. Il y a pris une décision crab. 21 janvier, Ariel tourne dans le grand quartier général de la Pinaïti encore. C'est Josué Pierre-Louis. Avec des nakin la police, Franz LB, yo di Ariel an nous craser Bessap. Mais décision qui pi fatale. Yo jwenn. Wo gradé qui fait partie de l'état major la médaille que je venais de me mettre sous pied pour payer qui accepte pour craser Bessap. Nan état major police tan li même comme son équipe machin zam, ça m'a aimé parler de yo même nous pas attendre l'autre bagarre que ça. Mais ça qui étonne nous, c'est l'en garder nous des militaires qui n'ont pas été major la meilleure décidé pour rentrer, non complot pour craser Bessap. Je dis que vous décidez pour rentrer payer dans la guerre civile. Mais après, je général Lesage, son petit chien devant Port Aristide, monsieur c'est la valasse, monsieur. Je dis, oh, Jovenel te prend dans tout sens. Lesage, c'est la valasse que monsieur est. C'est la valasse qui est dans tout sens. Même dit, Jovenel prend coup. Jovenel va la cachapé. Je vais gagner équipe vraie. Ça qui vient dire encore, vraiment avec ça, c'est l'heure. Nous, on est sorti, arrêté, comme quoi que, ils ont demandé tout agent Bessap pour être dans la base. Ils ont interdit tout agent Bessap circuler dans toute la rue avec Zamio et uniforme dans la main. Oh oh! Plim levé sous dos Bessap. Plim levé sous dos Bessap. Plume levée sous dos Bessap. Bessap commence à répondre. Même je n'ai pas fait là avec arrogance. Plume levée sous dos Bessap. C'est dans le même moment Bessap a gradué 482 agents. Sous Raymond Dabé dans le cas Jacques Mel. Dans chef de département sud-est pays. Comme la rose, nous profitons de saluer ou, cap gradué 482 agents qui n'ont pas besoin. Mais il y a nos ressources. C'est formation pour nous bailler et puis équiper yo, et puis nous donner tout pour nous sécurité dans le pays. Ça oui, 482 seulement. Là, nous espace à regarder là. Ah, imaginez ou pas arrêter dans Gradas ou pas 482 ou pas arrêter dans Nipou pour 482 ou pas arrêter Port-au-Prince ou prend ou doubler le chiffre. Ou pas être la Timonie double ou double fichifle, ou pas être dans Nord, ou prend 600 combien, ou pas être dans Nord-Est, ou prend 600 combien, ou aller vers, ou qui en pile là déjà, et pour pas être dans le département centre, ou prend 1000, s'entendez en tout papa, ou gon corps enragé qui beaucoup tous les territoires, oui. Et bien, m'a dit nous que, zentrez moi, parce que m'a pas de l'information là. Pas tout l'océan qui m'a kaba nous tout non. Bessap fâché, le nègre prend décision. Nous dit comme ça que nous comprenons ce qui passe là, il faut que Bessap prenne engagement. Eh bien, Bessap pas traité, bois croisé. Bessap te gagné. Bessap te gagné, Zamio à terre. Bessap commencé, mettez Zamio en l'air. Et puis, agent Bessap commence à répondre. Entendez, yon nan déclare. Parce que faut qu'on fait pas coup ça ensemble avec tout ça n'a pas contrôlé, tout ça n'a pas dit là, c'est le bail qu'on ouait déjà. Mais il est extrêmement important pour qu'on ait une progression qu'on fait dans le cadre de bataille. L'on suivre la plateforme YouTube, faut qu'on ait évidemment, qu'on pas qu'on fait et pas moi seulement qu'on fait. C'est avec vous-même. Entendez avec un peu l'intérêt.
Exactement, nous dans l'arrondissement de Las Corbas, côté que nous arrivons, nous avons tout agent Bissapi réuni là, côté que nous avons un garde à vous, et nous allons faire un petit parler ensemble avec le responsable Bissap là dans l'arrondissement de Las Corbas pour nous capable poser les questions sur comment et mouvement que nous connaissons qui est une révolution dans le pays d'Haïti. Bonjour, inspecteur. Et je dis à nous que nous campions en garde à vous. Est-ce que vous pouvez expliquer nous exactement qui motivation qui permet que nous camper jeudi à vous? Bon, moi salue le monde, moi salue PIM, moi salue DG nous, c'est Chantel Joseph. Jeudi mardi 16 janvier, nous camper en signe de solidarité avec le peuple haïtien. Nous campons aujourd'hui pour nous dire nous prêts, nous parés. Quel que soit côté du peuple à mener nous, nous prêts. Nous ne venons pas parler en pays. Nous venons seulement du peuple là. Nous même dans Belader, Las Corbas, Baptiste, Savanette, nous prêts, nous parés et nous prêts. Ok, nous connaissons que les militaires ne parlent pas en pile. Exactement que nous connaissons Las Corbas, c'est surtout à Pénal. Côté que M. Guy Philippe te prend l'initiative, il a utilisé zone ça comme une zone stratégique pour être capable de chavirer le gouvernement et ancien président Aïcide. Est-ce que nous-mêmes tous et nous considérons zone ça comme une zone que nous sommes capables toujours considérer pour nous capables de travailler? Nous c'est BESAP. Nous là pour nous gérer de servir la population haïtienne. Gérer l'environnement. Dans l'attribution PAN, nous toujours joué un rôle très bien. Très bien. Mais cependant, dans Jean Payan et là, nous avons trop hypocrisie, trop malversation, trop corruption. Peuple n'a pas gagné mon avel, nous-mêmes nous seulement dit, nous prêts, nous parions encore avec le peuple. Quel que soit côté peuple a mené nous, nous prêts pour nous accompagner. Jean que parole l'a dit là, Jean que chef yo dit là, yo dit que l'armée, la police, BESAP, pour accompagner la population, mais nous-mêmes nous disons ça, nous prêts. Je dis là, nous prêts, quelle que soit l'heure, nous relais nous prêts pour nous faire acte de présence. Ok, et étant donné que nous connaissons que la population, c'est ce qu'on BESAP, l'armée d'Haïti, la police, est-ce que toutefois qu'on a vu que la police a voulu virer d'eau par la population, qui s'en a fait nous-mêmes? Heureusement, la population a eu BESAP. BESAP là avec la population. Nous sommes dans la matrice population, nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas abandonner, quel que soit côté population, direction que l'I prend, nous-mêmes, nous la avons, et ceci nous en charge population, gens qui nous battent, nous-mêmes nous avons assumé. Ok, on dernière question. Vous parlez des populations, du côté population, maintenant, nous allons aller, peuple, ça, comme chaque mouvement, chaque déplacement, toujours il y a un chef de file. Qui est ce pensez qui est à la tête et population pour permettre à ce que nous-mêmes, en tant qu'agent BESAP, accompagnons la population? Nous-mêmes, nous le savons déjà. Nous c'est BESAP, nous pas une entité. Alors nous sommes encore qui apolitique, mais cependant, pendant que nous sommes apolitiques là, nous ne pas quitter la population pour coller. Nous-mêmes, c'est signal population qui nous apprend. Automatiquement, il dit nous en avant. Nous voulons que les changements, les voulons faire une révolution, nous-mêmes nous avons coumé avec lui. Nous n'avons pas de monde qui prend le dire, nous prenons devant ces populations, nous-mêmes nous avons suivre. Quelle que soit la population, nous talons là, nous voulons prendre la rue, nous l'avons accompagné. Et ceci nous ne pas quitter pour quoi. Alors nous connaissons Guy Philippe qui se passe 6 années et nous capable de dire en prison en terre étrangère et qui de retour. Tout feu, tout flamme, pas prêt à le dire, il réduit avec la population. Mais si toutefois, et tagué, il enlève le campé, j'ai que Guy Philippe prêcher de la sous-détente du territoire pays. Nous, même en tant qu'agent de BESAP, nous prêts pour nous accompagner? Oui, c'est ça, nous prêts. Et c'est ça, ouais, dans toute déclaration que Guy Philippe fait, il n'a pas fait une déclaration qui a un rapport à lui-même, seulement il fait avec la population. Et quel que soit le monde, qui prend la population comme drap pour couvrir, pour Freddy, pour Soleil, pour Maïgwe, par modèle, nous ne va pas accompagner le tout. Quel que soit le monde lié. Est-ce que ça veut dire un message à la population haïtienne, un message au grand public? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le message là, c'est nous souffrons trop. Ok? Trop souffrance, trop hypocrisie,
Donc si journée aujourd'hui la population haïtienne a gagné l'armée d'Haïti, li gagne la police, li gagne nous-mêmes BESAP, faut que nous capables accompagner population pour sortir dans souffrance côté qu'il a duré depuis plus que 200 ans. Exactement. Nous-mêmes BESAP nous dit encore nous prêts, nous besoin un coup de fil pour chef nous ba nous quel que soit l'heure dit nous en avant pour nous sauver pays dans sa lia là nous prêts et nous parer. Nous prêts, nous parions encore. Ouais, nous disons en mettre foi. Ok, et j'aimerais nous gagner un amène nous là. Et gagner plus de toujours. Mais nous ne pouvons pas côté nous aller. Si nous devons côté nous aller, nous devons aller. C'est notre poste, moi, là. Ok? Mm-hmm. Nous ne pouvons pas côté nous aller. Tant que nous devons côté nous aller, nous faisons appel avec nous, et puis nous devons aller. Effectivement. Nous faisons appel avec nous, et puis nous devons aller. Maintenant, c'est agent BESAP qui est dans la Scarobas qui va regarder sous écran. Progression. Dans quatre batailles que nous entamons dans le pays, ça, avec alors sous leadership et général nous, qui c'est commandant Guy Philippe. Progression. Faut que nous suivions par coup que nous faisons, faut nous pas oublier par coup qu'il fait pour nous capables de connaître exactement côté de nous aller, qui stratégie qu'il développe, qu'il doit développer au cours de la route. À chaque obstacle que nous croisons sur le chemin, nous. On avance. Maintenant, là nous arrivons, côté que nous attaquons, BESAP répond à l'appel, et puis nous campons sous Brezeng. Eh bien, peuple haïtien, peuple a vint dit tête clairement Port-au-Prince, n'a pas Port-au-Prince en otage. Gon volume violence que pouvoir Ariel en déclenché, moun pa ka sorti Port-au-Prince. La police gang nan a frappé a touye moun, a touye journaliste, y a pété ses journalistes. N'a ka tiré à Rotterdam. Nous dit, gon l'autre bagay là. Nous font timide, nous n'attendons pas micro, nous prions bon Dieu. Nous prions bon Dieu, nous m'a dit exactement ça nous tout à l'heure. Nous dit le ciel est d'en sorti. Nous avons volonté pour nous sortir, pour nous goumer. Mais le ciel est d'en sorti. Accompagnez nos papa. Moun pa ka continuer à mourir de comme ça toujours. Comme si c'est pas possible. Et d'en sorti. Dis bon Dieu, quelle que soit la porte qu'on ouvre pour nous, on a sorti. Et bien, qui s'est passé? Bon Dieu, utilisé. Deux nègres qui fait société en pile mal. Qui travaille pour groupe yo. Parce que qui s'est passé? Plus facile pour sortir. C'est yon parmi groupe qui a détruit nous. Qui pour trahir l'autre groupe là. Pour le prendre conscience. Ah, papa. Et bien, nègres avec Zamio. Yo prend conscience. Ariel prend avion qui était payant, je crois. C'était fin mois de février. Depuis Ariel qui était payant, wash maman. Le Ariel prend la parole dans le pays Guyane. Ariel annonce que, oh oui, et il a le pouvoir jusqu'à 2026, il a fait élection 31 août 2025 pour le mettre pouvoir. Et comment il est le 7 février 2026. Ariel te dit ça en 2022. Mais Ariel pas kembe parole li. Il signe propre akol, il viole propre akol. Il pas respecte signature. Pendant Ariel d'ailleurs nous parlait. Bon Dieu dans ciel là nous prier. Nous n'avait ça dérangé. C'est garder nous on wash maman débarqué dans Port-au-Prince. Même nèg qui qu'on a suivi business pour oligak yo, même nèg qui a metté balle dans bouda business oligak yo. Oh, pillage. Ok? Même nèg yo, la gouache maman, derrière, oligarque corrompu. S'entendez à tout? C'est déchoukaye tout koto passé. M'di m'ap suive. Parce que m'pa jam, moi-même, nèg avec zam. M'pa jam kwen nèg avec zam, parce que go niveau crime que nèg a fait, kè moun nèg pa jam gen encore. M'di m'tande barbecue, pa kou barbecue pou leve kote li a tout moun konel. Et tout moun comprenne ni très bien. Et ça cause après, barbecue son nèg que ou payan, toujours goun bagay comme si yo senti goun bagay ki rive monsieur son habit que lié. Mais finalement, barbecue finit pas accepter mouvement gang nan, l'équipe des amis nan men pour défendre tête li, nous même nous pas arriver là parce que bagay dit nan men. Pardon. Et mais ça qui passé, nèg yo vini une dernière stratégie pour utiliser pour Ariel pas rentrer du tout. Ariel nan pays Guyane l'a signé pour intervention militaire vini. Nèg yo déclenché bal dans espace qui plus sensible dans pays an. Qui c'est aéroport international tout Saint Louverture là. Avion pas ka voler. Avion malheureusement touché par bal sous piste aéroport là. Il y a un mouvement terroriste. C'est airport, c'est côté qui plus sensible. Et bien ça qui passé. C'est la bagarre la vie de miel là.
nèg yo répété, Ariel pas rentré en dedans pays ya. Progression toujours. Bon Dieu, dans ciel là, nous te mandel pour accompagner nous. Nous dit pas n'importe qui moyen que le capable de nous sortir. Et de nous sortir. Nous bien bas. Nous dit bon Dieu, dans ciel là, tout moyen que le capable utiliser pour l'aider de nous sortir et de nous sortir. Moi, je veux nous connaître qui côté nous sortir avec bataille là et comment nous faire arriver là et qui côté nous braler. Et c'est ça qui est important pour nous. Dans l'info, il faut pour nous dos. Comprendre pour nous capable de connaître dans qui nous voulons battre. Parce que l'on fait progression dans quatre batailles, ou dit que l'on pas avancer, il faut qu'on ne pas avancer en nous des barbecues. Pour comprendre la vérité. Famille, policiers qui mourent dans le cas d'affrontement et dans la bataille qui a mené pour libérer le pays. Je dis à nous-mêmes, nous vivons ensemble, nous vivons ensemble. Nous présentons toutes condoléances et toutes sincères en condoléances avec la famille policière et qui est victime. Et nous avons profité de la police nationale d'Haïti, que la bataille s'est menée en face de la police nationale d'Haïti. D'ailleurs, 95% pour battre 100% de monde qui fait partie de la police nationale d'Haïti, c'est les gens qui sont sortis dans la même couche sociale avec nous, et c'est les gens qui sont sortis parmi les gens qui sont plus mal. Ça veut dire qui ça? Nous avons intérêt et que pour nous protéger les policiers. Et dans la nouvelle Haïti que nous avons les policiers ont fait des places. Nous avons profité des policiers pour ressaisir. Ressaisir même gens, nous mêmes les nous ressaisir nous et puis nous identifier les vrais ennemis. Je dis, ce n'est pas nous-mêmes qui avons des armes nous, qui ennemis la police nationale d'Haïti. Vrai ennemi police là, c'est nous qui avons comme police là dans la et que pour nous acheter matériel pour nous travailler. Vrai ennemi nous. C'est les gens qui sont là pour nous assurer l'hôpital, l'école gratis pour les petits, nous pas jamais fait. Vrai ennemi nous, c'est les gens qui sont organisation de l'homme qui a fait arrêter nous, révoquer nous dans mauvaises conditions. Vrai ennemi nous, c'est les gens qui les nous mourir après 2 mois de couper chèque là. Moi-même, quand je parle là, en tant que policier, en GSLC, combien madame policier, combien petit policier, et que nous toujours continuons à aider parce que la police là, elle ne prend pas soin de nous. Monsieur le policier, bataille ça est bataille nous lié. Nous avons une opportunité qui est présentée devant nous pour nous laver le visage devant le peuple là. Pendant que nous prions pour frère nous mourir, moi-même, je passe l'étape ça déjà, je connais qui ça nous sentit. Mais est-ce que nous connaissons et que nous complices dans ce qu'on fait là? Les noirs sécurisés, série des ministres qui a déchappé l'argent pays, l'argent pour acheter matériel nous pour nous travailler. Nous avons sécurisé c'est des directeurs généraux, nous connaissons ces volets, oui. Et nous même qui vrai gang, et nous même qui vrai ennemi nous. Je dis à laver le visage de votre peuple là, arrêtez Ariel. Si c'est vrai, et que nous voulons faire des choses pour le pays, et pour les policiers, nous tous nets, militaires, pour nous mettre tête nous ensemble, et puis nous disons, bon, vrai ennemi nous, c'est le gouvernement ça, nous avons débarrassé le pays d'Ariel Henry, nous avons arrêté Ariel Henry, et que nous y a ensemble, pour nous garder comment pour nous chita pour nous reconstruire le pays. La main des peuples haïtiens, Gouba Méo pas en face nous. Car toujours des dommages collatéraux qui arrivent. Ça qui arrive, les messieurs sont sortis dans la rue, des balles qui tirent. On malheureux qui a pris balle, ce que nous déplorons. On malheureux qui a cherché la vie qui a pris balle, ce que nous déplorons encore. Mais cependant, nous avons une volonté manifeste. Côté que pour nous détruire les gens qui sont de nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas identifier les ennemis. Les vrais ennemis, c'est le gouvernement, c'est le ministre, c'est le directeur général. Les gens qui ont une responsabilité et qui peuvent mettre la sécurité dans le pays, ça qui pas fait. Les policiers ont sécurisé un premier ministre qui n'a aucune légitimité. Mandat, Ariel n'a pas de mandat. Oui. Ariel a dirigé grâce à un accord qu'il a signé. Côté qu'il était 7 février, il a quitté le pouvoir. 7 février arrivé, un grand dictateur, Ariel qui est le pouvoir. Ça veut dire qui ça? Avec qui légitimité Ariel qui t'a supposé chef CSPN a dirigé nous? Monsieur, pensez à madame nous, pensez à petite nous, pensez à monde qui sont dans la même classe sociale avec nous. Connaît pas nous-mêmes qui est nous. Peuple haïtien, prends la rue. Nous demandons pour les amis de prendre responsabilité. Nous prenons responsabilité nous. Et mon pense à elle n'est pas là. Elle a commencé hier, elle a continué aujourd'hui. La continuer après, mais si vous le faites 2 mois, 3 mois, si vous le faites 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que non seulement nous jouons une bout à Ariel Henry, l'en fin capoter Ariel Henry, faut que nous arrangeons pour nous capoter le système ça qui là. Chaque jour, on a plein de systèmes. Non. T'as le. Mon cap parle là, c'est Jimmy Chérisé Barbecue, il y a un ancien policier, et qui est en tête
groupe gang armé qui est dans le pays, qui regroupe, qui reforme, qui est là, nous vivons ensemble. Tout le monde connaît la qualité des dégâts que nous avons fait dans le pays, détruit Haïti. Rendre le pays invivable. Mais finalement, ni volo à Sapatio, alors volo à Sapatio, qui est nega gol zamio, capture moun la ouyan, yo décide pour que yo vire diol zam nan, so c'est des volo politiques. Effectivement, nous est volo politique nan maon. Et c'est pour la première fois. Nous est volo politique nan tout nan maon. Nèg yo retenu hôtel, nèg pa chèm kaso de yo. André Michel nan maon complètement. Nenel kasi caché complètement. Major Michel caché complètement. Edmond Tibli Bozil caché États-Unis, pa vle mi pil nan peyi a. Ou pa ka met zago. Ça fout important pour peyi a. Nèg yo se volo yo ye, se gang yo ye. Mais ouais, au fond bagay. Mais ça qui est important, faut que vous fassiez toute bataille. Vous comprenez? C'est pour la première fois, nous voyons que oligarque corrompu a couru quitter le sol pays d'Haïti. Ça veut dire qui ça? Leader révolution, il touche toute couche dans la société. Même assassin qui a fait pays à mal, quelque part, il décide pour l'embarquer, pour le poter sous ses pales, à travers la lutte qui a mené. Quelque part, nous avons façon pour nous. Ça cause, moi, dis nous, comme Anagui Philippe, assumer responsabilité pâle. En tant que leader, nous faisons le crédit. Il dit, mais ça n'est pas qu'il moyen pour le passer, pour le mettre en sécurité dans le pays. Et bien, moi, je suis d'accord avec lui. Il vient avec une stratégie d'amnistie pour que nous soyons capables de libérer le pays. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que le plan, il explique, il permet de nous comprendre, nous dit que le commandant, allez dans le nous avons à 100%. Et c'est ça qui est important pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important pour nous. Eh bien, c'est après. Nèg tu a jambé ça après Ariel fait déclaration ça tout monde que on paye dans italien là pour nèg décider pour qui mes peuple dans ça qu'il là toujours. Eh ben la nature gonjan qu'elle fait travailler nous te demandé bon Dieu pour l'aider une sortie par n'importe quel moyen nèg avec Zamio décider mettre pied à terre. Et ben me dit bon Dieu si c'est comme ça pour nous Ariel merci en pile et nous continuer gérer problème là. Et ben nèg parler parole là oui papa mais en pile moun yo vivre de système là. En pile moun a fonctionné grâce à système là. Un système et méchant, un système qui est un petit groupe de monde contrôle toute richesse pays. Un système, côté que c'est sous couleur peau, c'est sous nos familles, qui relation sociale ou bien qui détermine qui job yo kaba ou qui sont kaye. Un système, c'est 5% de monde qui a toute économie pays à l'amen. Oui, je dis, nous conscients, nous même comme nous qui avons l'amen, nous, grand pile groupe armé qui fait un pile bagay, qui pas fait société à plaisir. C'est peut-être ça, vous pouvez conscience, je dis, nous disons, nous faisons bataille pays. Non seulement nous avons capoté Ariel Henry, nous avons capoté le système, dans la nouvelle Haïti, nous avons une série d'actions qui concrètes qu'on a commettre pour ne pas commettre. Peuple haïtien prend la rue, social manifesté. Ariel a 3 ans la paix, violence sur nous. Je dis à Fok, nous prenons la rue pour faire légitime violence sur Ariel. Machine l'État, c'est bien nous. Mais nous prenons nos mains, directeur général, nous prenons nos mains, ministres, n'importe qui. Policiers qui ont sécurisé les ministres, s'il vous plaît. Pensez à madame, nous avons petit parce qu'elle balle derrière n'importe qui. Nous prenons nos mains. N'importe gens, nous parlons de ministre. N'importe gens, nous parlons de directeur général. Et là, nous avons derrière, ou même en tant que policier, nous avons pour obligation pour protéger. Mais nous-mêmes, nous avons pour obligation tout pour nous libérer le pays en bas de Griffon. Parole à l'eau. N'importe gens, nous parlons de ministre. N'importe gens, nous parlons de directeur général. Ou même comme policier, cap sécurisé, ou avons pour obligation pour protéger. Mais nous-mêmes, nous avons pour obligation pour libérer le pays. Parole à l'eau. Ça qui fait le mal sonner, c'est parce que c'est avec Zam qui kidnappe les gens. C'est la parole à sonner parce que Babi qui porte la parole, c'est parce que c'est ça qui dit. Mais tout, bam du bagay bien. Haïti, j'en lié là. Couple a tellement fort. Ou pas, c'est même le système qui doit pour voter Zam pour tout le monde. Ou pas, de pour l'autre monde qui est bon Zam pour sécuriser tête li. Ou des CPJ qui te lagué de elle. Et puis c'est avec Zam, ça oui. Qui te ka fun. Vol les politiciens, qui ont fait davantage. C'est ça qui a causé des affrontements entre nous-mêmes avec la police. Pour nous-mêmes, les policiers, retirez le de Mounsaïo. Sortez de Kakier. Retirez le de Majorie Michel. Sortez de Edmond Suplice Bozil. Retirez le de Majorie Michel. Sortez de Rosemé la Petit Frère. Suspend protéger André Michel. Suspend protéger Ariel Henry. Comment ça a arrivé dans le quartier populaire? Comment ça a fait dans nos mains? Quand Zam ça a sorti, qui est-ce qui mette yo? Je dis à ce même gouvernement ça qui met Zam dans le quartier populaire pour te déstabiliser le gouvernement. Et bien c'est même gouvernement ça, je dis à là, qui besoin de retirer Zam ça ou non, mais monsieur. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est responsable? Et peut-être ça,
m'a demandé nous, peuple haïtien, sorti, à manifester, manifester à toute haine nous, à toute rage nous, à toute colère nous. Et pour ça, nous même coupable, nous avons sorti. Nous avons sorti avec toute rage nous, nous avons sorti avec toute colère nous. Parce que n'importe quel jeune bout d'Ariel Henry et pour jeune bout de système ça faut que nous reconstruisons l'autre Haïti. On Haïti côté qui gagne travail pour tout le monde, qui gagne sécurité. On Haïti côté qui gagne l'école primaire gratis pour tout le monde. On Haïti côté dans quartier populaire. C'est pas zam ça on a profité jeune garçon. Mais c'est métier n'a profité pour capable servir pays. Zam ça yo. Yo mettez dans quartier populaire. C'était pour nous tuer l'autre. Je dis à n'a utiliser zam ça pour nous libérer pays. Encore une fois, nous avons des parents. Nous connaissons l'éducation, c'est clé à lui. On ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas éduquer. Et il ne peut pas utiliser la société, il ne peut pas utiliser la tête, il ne peut pas utiliser la famille. Mais cependant, il faut que nous apprenions à faire sacrifice pour le pays. Pas jamais de sacrifice qui est trop grand. La bataille, ça a longue, la durée, autant qu'il faudra. Nous avons tenu la bataille et nous avons pour la vie. Peut-être ça, pour éviter dommages collatéraux au Québec, si nous la caillou. Parce que, nous n'avons pas attaqué Ariel Henry de force, nous avons mis tout ça, nous avons toute stratégie nous dehors, et que pour nous attaquer Ariel Henry jusqu'à ce que nous joignions enfin et pour voir ça. Encore une fois, peuple là, nous avons droit de sortir pour nous manifester. La police, quitter le peuple à manifester. Quitter le peuple à manifester. Retirer quoi nous, les avons chercher les munitions pour essayer les policiers qui mourir. Nous pas pour les gazam. Nous connaissons si bien qu'on côté nous garder. Encore une fois, peuple haïtien, et mon capable à se dire, mes chéris, c'est barbecue. Nous avons parlé dans nous, vivre ensemble. En nous vivant ensemble, pour nous voir comment nous sommes capables de libérer le pays. Ça. Voilà. Et mon nous t'attendait là, c'était Jimmy Cherizier, alias barbecue. Et. Alias barbecue, qui tape. Qui te baille conférence de presse ça, alors qui te baille pour de presse ça, devant la presse en ligne. Il t'a annoncé la couleur. Effectivement, monsieur, vous poursuivez avec l'action qu'il a commettre dans la société. Mais honnêtement, Mabdil, l'autre dit ISO avec ZAM, vivant ensemble gang, ou dit classe politique, criminel, assassin, vivant ensemble gang tout. L'autre dit ISO, kidnappeur, criminel, gang, ou dit radio traditionnelle, criminel, gang tout, qui l'a depuis plus passé 30 ans, n'a foutu détruit pays ça. C'est même volo yo, c'est même terroriste yo, c'est même criminel yo. Et je dis, on regarde pour ouais, on radio qui campé, qui fait promotion pour mal propre, te coulève cette tête criminelle, assassin gang, moun sale, moun senti fort, moun qui détruit Haïti yo, ou pi mal que ISO. ISO doit contre carreau comme volo, comme gang tout, parce que nous c'est même volo yo. Nous détruit Haïti, nous fout fini Haïti. Barbecue, si son criminel, il va criminel devant qui dans radio depuis 30 ans, qui fout détruire Haïti avec politicien. Parce que c'est nous qui mettons barbecue là. Barbecue pas criminel que Pierre Espérance. Barbecue pas criminel que Majorie Michel Don Kato, Chile Louis d'Or. Il pas criminel que volant dans micro, gang sale qui a tué le président Jovenel Moïse avec yo. Barbecue pas criminel parce yo. Et barbecue n'a même pas ni avec yo. Nous tout fout fait payer en mal, ban terroriste que de nous. Et ça qui est important pour nous. Eh bien, tout nèg ravèt campé dans pays a pransé. Moi m'a estimé que li pa logique pour un nèg a tirer coup de balle dans direction palais national. Li pa acceptable du tout. Li pa bon pour image. Nous mais comme pas gagné crête Haïti tout, pas gagné en crête. Mais si c'est pour si c'est pour yo éradiquer total capital la classe politique de jeunes haïtien, ça a fait moi là moi croisé deux bras pour observer. Est-ce que je suis pour? Je ne connais moi-même, mais sauf que si c'est pour éliminer la classe politique traditionnelle haïtienne, ton écrasé ma brogue modèle. Un assassin, un méchant, un gang sale. Nous finissons avec une société, nous finissons avec moun. Bon, moi-même, j'ai des bagages que je pour me parler dans le pays ça. Parce que je n'ai pas un peu de coconé. Ah oui, moi n'ai pas un peu de coconé. Je n'ai pas un peu de coconé, je n'ai pas un peu de coconé. Je n'ai pas un peu de coconé, je n'ai pas quitté mon coconé tout. Mais mon cher, je connais Kounia. Ha, je connais Kounia. Nous on travaille avec moi. Bonne volo, bonne gang sale. Et mes peuples haïtiens, progression dans quatre batailles là. Ou pas le dire, est-ce que nous faisons progression avec intervention gang yo dans le mouvement? Intervention gang yo dans le mouvement, l'hypothèse on bagaille en plus. Ariel pas là. Mais équipe Ariel là. Mais quelque part, tout équipe Ariel là dans ma on. Ça veut dire qui ça? Gang yo qui fout poté. Pas fait hypocrisie.
pas fait hypocrisie. Ou pas dans tous les gangs, on a collé bouda avec gang. Yo c'est volo, yo c'est kidnapper, c'est terroriste, yo détruit Haïti. Mais c'est tout nèg qui détruit Haïti. C'est même nèg ça qu'on a travaillé pour, même nèg ça yo ou fout de yo. Mais je dis si on lever contre l'autre ou de casser bravo. Dis yo fait le plus bien. Pour nous pas victime nous même dans population civile là parce que nous sommes toujours véritable victime là. Fait pour yo faire qu'on y a pour ces criminels là normalement qui je monnaie pièce là, le ça nous même n'a craper pour nous gogo nous. OK? OK? Il est important pour nous gérer ça. Parce que vrai bataille, elle va arrêter tes langues là-dedans encore. Pas arrêter tes langues encore. Mais ça qui vient de passer, c'est que, ouach moment lancé. Criminel assassin gang dans le pays d'Haïti, qui a fait politique, qui a mis tout jeune garçon ça qui n'a gardé là. Je viens pas voir qui est pour dire, oh oui, tout gang c'est gang Guy Philippe. Guy Philippe qui fait 6 l'année, 7 mois dans la prison aux États-Unis. Livin, il peut qu'on ait 5 mois dans le pays, il a attribué gang ensemble avec elle. Si nous attribuons gang ensemble avec elle, que gang n'a pas habité pour foutre fin bout nous pour payer sa libéré. Bonne gang sale côté nous. C'est nous qui sommes là. Guy Philippe est là. Guy Philippe pat là 6 l'année, 7 mois dans la prison. Guy Philippe pat là. Maintenant, Guy Philippe commence à me rentrer dans le ghetto. Il pas connaît. Mais Guy Philippe dit que, lui à la recherche de la vérité. Il est clair, il a besoin de la vérité. Nous méchants, nous prudents, nous estomaqués, nous avons besoin de la vérité. Il faut que toute gang sale, toute gang scientifique, toute gang terroriste, il faut que je participe pas yo pour regarder comment il va aider pays ça à soutenir sa culture parce que fait payer trop mal. C'est ça que fait nous dit avec tout policier, vaillant policier nous yo. Combattant policier. Policier qui pas dans kidnapping, policier qui pas dans drogue yo, policier qui pas contre déconnivence avec gang yo. Et ça déconnivence avec gang. La gang trouyo m'pap fou bouche m'na fou. Et nous pap konnen tout. Mais n'ap di avec tout policier. Conséquent. Monsieur sécurise fami nou. Sécurise la kay nou. Sécurise zone nou. Pal nan affronte avec gang pour gang qui au pouvoir. Pour gang qui dans la police qui dans l'état major. Parce que pas oublier l'op perdu la vie ou perdu pour détruire ou. Fami ou perdu ou, zam ou perdu ou. Qui te m'ba nou nouvelle comme policier. Est-ce que nous connaît la police a été abandonné? Famille, policier que nèg gang canard été assassiné dans commissariat bon repos. Nous comme ça. Demoiselle qui était nèg été assassiné. Imagine une jeune femme oui dans la police. Ça a pu faire mal, ça terrible. Demoiselle a crié. L'a demandé pour tes renforts. Sur radio communication la police, renfort pas venir. Lire sur téléphone sur groupe qui est policier pour porter renfort, renfort pas venir. Jusqu'à ce que ministre yo épuisé quantité à capacité à mes bandi yo vinn pas être plus puissant même si yo pas professionnel mais volume cartouche qui yo gen nan men yo a volume zam qui yo gen à la disposition yo et effectif soldat gang qui yo gen policier yo vinn impuissant. Demoiselle qui t'a prélé dans téléphone nan qui t'a demandé support qui t'a demandé naturellement renfort li rivé assassiné. Nous étions des voyants policiers qui t'a plaigné, oui, oui, il prend balle pour tes secours. Tout ça, France LB sur radio communication, la police là, police n'a pas joué renfort. France LB, comme disait la police, li s'entend des cris ça yo. Parce que radio communication, la police là, li nan mel, li bon côté, l'attendait. Mais yo pas choisi pour tes renforts. Pour être capable de policier qui mourir pour faire capital politique, pour dire qu'on s'accueille bandit à vaille commissariat, bandit tuer policier, pour être capable de faire une intervention militaire pour eux. En pile policier mourir, c'est une bataille pour être une intervention militaire. En pile policier mourir, c'est une bataille pour être capable de jouer, et ça a été demandé à qui c'est, une intervention militaire pour venir de eux, gérer le pouvoir. Même les policiers comprennent. Ça ne passe pas en bas, ça ne fait pas gagner de pays là-dedans. Ou même vous avez pour comprendre. Soit ou notifié, absence ou, dit que ou go malaise, dit yon bagay quelconque, ou fout grafon yon tête ou, ou voye mette passement soli, et fout ma, fè madame ou bon sec soufflet bo bouchou, enfle bo visage ou, et puis se rende à tout du malade. Tout policier cherche un bagay pour nous justifier absence nou, en attendant comme si nous gen kontrol la situation, parce que nous pas capable campé à bataille en façon groupe nèg comme si nous connaît pas bon moun, mais nous campé à defan yo, la vie nous.
la vie nous a gaspillé. Ah oui, la vie nous a gaspillé parce que y'a pas moun. Y'a pas que moun. Y'a aussi des criminels notoires. Mais leur campé, ou al bataille pour yo. Le gang tout yo. C'est pour détoujou, oui. Ah oui, Ferris Pono, c'est pour détoujou, mon cher. Ou gaspillé net. Moi m'espérer que nous pas de policiers, bon policiers nous qui tombent. Parce que nous pas vivre li, nous pas accepter ça. Policiers mieux de tende, et replier, suspendre, al nan affrontement pour des gangs qui nan politique, qui besoin régénérer tête yo au pouvoir. Que tout policier tende conseil ça, et éviter agir, et n'importe qui gens pour ne pas victime. Parce que l'ENFEL, c'est nous victime pour détouzier nous. Moi même espérer que nous comprenons moins pour ne pas arriver là. Parce que l'en arriver là, il n'est pas bon pour moi, honnêtement. L'en policier victime, il fait mal. Et l'aime parler avec un pile policier tout. Moi comprends la réalité, nous, messieurs. J'espère que nous retirer compte dans sa nia pour nous suspendre à faire vieille bataille sans sens pour des gens qui sont dans le secteur privé. Eh bien, le bataille arrive dans la phase ça. En pile nèg a parlé. En pile causé a parlé. Guy Philippe Vinbay, yon interview qui est extrêmement important. Que nous devons attendre avec un pile intérêt. Partagez l'émission pour nous là. Parce que nous allons permettre de tendre intervention ça. Qui est extrêmement important. Avec un ami. Que le gagne dans la presse. Que le parle. Ou devons attendre ça qui dit. N'ap salue nous encore une fois. Entendez pour nous comment et qui progression qui j'en planification faite pour avancer avec bataille ça entendez avec un pile intérêt parce que combat ça nous pas qu'à faire n'importe qui j'en entendez ça sénateur oui ou non on va poser une question là oui ou non et me connaît qu'au son nèg même si bagaille là leur fond erreur reconnaître au fond erreur est-ce que Ariel t'enterrer Léo pendant le dehors, là, le pas qu'à rentrer pour le parler à vous. Pour le mandat de négociation. Si vous avez dit que au moins peut-être que tout bon conseil que bon pour faire comprendre le bagage que nous ne pouvons pas comprendre. Oui, si Ariel Henry est le même jour, je ne parle pas avec elle. Si moi, Jean-Charles présente Nation, excuse-lui, à bêtise, il s'est accouché là. Est-ce qu'on est prêt à collaborer avec lui? Premièrement, je veux dire tout le monde, nous avons des bagages qui sont dans la rue, moi, je ne suis pas au courant ici, pas à mettre le lieu. Conversation, moi, avec le sénateur, moi, Jean-Charles, je ne vais pas mettre le lieu, il a renoncé 4 sous nous. Ou après que je me dis malé, je m'accroche et je vais continuer à enregistrer. Donc, je vais raconter comment la conversation avec le sénateur Moïse Jean-Charles fait arriver dans la rue. Je ne vais jamais faire comme ça, je pense que le barbon, j'en fais là. Et si le sénateur Moïse Jean-Charles est arrivé dans la même journée, il va me buzzer. Je connais lui-même, je connais pas même hésiter la problème et je vais parler avec lui. N'importe qui qui veut le parler avec lui, je vais parler avec lui. C'est deux voix pour me faire pour payer. Comment la révolution ouais, couleur 7 têtes et plus 2 têtes là? Là, nous-mêmes, nous sommes clairs. Bah, ça ne va pas aller aucun côté. Regardez pour tout le monde qui est là dans le. C'est même nous, on a attendu depuis 50 ans. Même nous-mêmes, non. Il y a même bien la décence, ni scrupule, pour essayer de l'autre, l'autre gêne, l'autre bagaille. Il y a bon, même nous, on a attendu depuis combien de temps. Donc, mes amis, qui côté bah, ça. Bon, c'est le monde qui s'est plagué dans tout. Je dis à ceux qui ont cherché, qui vont nous tirer dans tout. Mais ce sont des ordres. Donc, on connaît que ça ne va pas arriver aucun côté, que les Haïtiens ne prennent pas ça. On a mobilisé, on a campé, on a défendu ça pour nous défendre. La révolution a marché bien, le peuple a retourné. Nous besoin de respecter les décisions. Nous besoin pour mobiliser, pour avancer ensemble avec nous. C'est le système ça qui est à genoux, le système ça qui est aux abois. Si ce n'est pas de soins encore, si ce n'est pas de force répressive, si ce n'est pas de criminel, de contrôler dans la police nationale, là, ne consacrez pas ici en tant que jeune homme. Moi, apprendre que gagner des registres qui prennent sortir dans toute commune, dans tout département, dans tout quartier, dans toute section communale, pour des volontaires qui voulaient adhérer à la révolution. Qui l'en a commencé? Inscription ça y est pour les gens qui voulaient adhérer. Il commence déjà.
Li commence déjà, nous avons dans tout département déjà qui parle dans toute commune, qui parle dans toute section communale, qui parle parler avec nous, qui parle parler avec les jeunes, qui parle parler avec paysans, qui parle avec pour nous dire après Haïti dans la semaine ça. C'est nous-mêmes Haïtiens qui parlons décider pour Haïti. Haïti nous voulons vivre dans le monde. Et c'est nous pour faire. Oui, ça a commencé. Et je me parle avec les responsables. Je dis que dans 90 jours, il y a quelqu'un qui fait tout le pays. Et tout le pays a comprendre qui sa révolution, côté nous venir dire là, côté nous venir vivre avec Haïti. Si on a besoin, si on a besoin d'adhérer, sénateur, qui ça pour le faire? Est-ce qu'on téléphone et dit rapide? Je vais demander pour. Je pense que, dès que vous adhérer tout, le fait qu'on ait une émission parlée, ou c'est déjà une même révolution, le fait qu'on capte camper, ou défendre l'idée de révolution, ou dire nous ne voulons pas Haïti, nous voulons Haïti grand monde, c'est déjà, ou déjà adhérer à la révolution. Le fait qu'on fait comme le Canada, ou manifester, ou dire non, ou pas appeler les bagailles carrées comme ça, ou déjà dans la révolution, mais c'est ça lié. Quand on soit côté, on cap adhérer, on cap participer, on cap courir une révolution. Nous qui la diaspora, on a dit que si vous venez adhérer, vous en quelque forme, mais dans la diaspora, vous avez aidé, vous parlez dans la radio, vous dit l'administration Biden, non, si vous continuez à faire des choses comme ça, Haïti, nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas voter démocrate. Vote haïtien supposé conditionné. Il n'y a pas penser que oui, vote non. Même jeune nègre juif, vous négociez votre vote, même jeune nègre musulman, mais négocier votre vote avec le gouvernement et américain problème, il faut que haïtien apprenne, négocier votre haïtien, nous ne pouvons pas faire cadeau. Nous va faire cadeau. Qui ça qui nous a fait pour ça? Faut que nous négocions. Sénateur, sous ta gondène mot pour ta dire à jeunesse là, à moun kap kouto là et qui kal koute ou, c'est pas dernière rencontre que nous gagné, mais c'est qui ça le tapier, s'il vous plaît? N'a dit, je mette quoi que nous avons en Haïti, que nous espérions, la bataille pour nous quitter, on pibe en Haïti pour nous. Nous même qui souffrent au Brésil, Chili, Saint-Domingue, États-Unis, la France, tout côté, Canada, et puis qui veut rentrer dans le pays, qui a envie de vivre dans le pays, qui a envie de vivre dans le pays, qui a envie de mourir dans le pays, n'a pas assuré une vie de paysage. Bon, on va regarder la situation pour nous, on va regarder Haïti et le monde dans le Conseil des Nations alliées, et on va regarder qui est un pays actif depuis quelques temps. On a fait maintenant très bas sans campagne, peut-être mon misère est terrible, extrême. Je pense que c'est seulement une révolution pour faire non seulement une révolution, j'aime dans nos amours, une révolution dans notre tête, dans notre mentalité, dans notre monde haïtien, pour voir comment aboutir à Haïti dans sa vie là. Donc je pense que tellement une révolution, il dit ça le dire. Et il y a plein de gens qui toujours révolution comme un bagage. Et qui pensent que révolution veut dire prise de pouvoir ou bien assauter un pouvoir ou bien un coup d'État. Mais nous-mêmes, nous connaissons que l'évolution, elle est plus loin que ça, elle est plus loin que ça. Et pour le cap durable, il faut qu'on bien faire, il faut que la population accepte, comprenne ça. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là en Haïti. Dans tout discours, on toujours acclamé de l'idéal des Salinien, philosophie des Salinien, émergence des Salinien, malheureusement, qui était assassiné le 17 octobre, qui n'a pas été instauré. Le vrai système politique haïtien, et c'est ça qui continue dans Kachouboumbe, ça, qui lié, qui gagne entre révolution à prôner, hein, à idéal de Saline. Bon, et sous temps de, je peux pas parler, nous jouons avec moi, Haïti, bien plus juste et plus égalitaire pour petit prix. Et je connais l'idéal de Saline, c'est des justice sociale qui est base, qui est centre. Et programme de Saline, bataille en pour la tafia, c'était pour tout à l'heure, c'était pour vivre dans le pays avec un petit dignité, avec dignité et en toute décence pour Haïti, c'était pour vivre grand monde. Et non seulement c'était pour Haïti, mais pour tout le peuple, tout le monde qui sentit qu'il y a un cas de l'autre côté, qui sont des esclaves depuis le pilier. T'es Haïti, donc il y a la caillou, il y a toute liberté et toute quiétude. Donc l'idéal de Saline, et bon, comment on prend Haïti, quand on sentit les fiers. Et de Jean-Jacques Dessalines, un garçon qui font des bagages dans l'histoire, par contre, il n'y a jamais de possibilité qui peut faire. Il y a des bagages qu'on a fait et dans l'histoire, et par contre, il n'y a pas de galop encore, donc c'est ça que Dessalines. Et donc, je pense que ce n'est pas amour pour lui de ça, et surtout pour l'idéal, il y a pour ça de quoi, justice sociale, et terre pour tout le monde, travail pour tout le monde. Et donc, on va pas épouser l'idéal Dessalines. Sénateur Guy Philippe, nous connaît que Dessalines est pas partagé. Alors, Pétion, Boyer, Christophe, Monsieur Sayo pas partagé même philosophie
avec Dessalines. Pour congrès qui a été fait, Dessalines comme leader, comme initiateur, il était déplacé là, le contraire, monsieur. Et sans déplacement, ça, nous pas qu'à faire le congrès de l'Arcaillet, qui tape le Banou, le 1er janvier 1804. Puisque où sont Dessaliniens, ont toujours acclamé, et est-ce que, ou prêt, à bail, adversaire politique ou, qui te combat tout, adversaire politique ou tout, ou bien côté combat, journée jodian, pour nous sauver ça, aurait les révolutions, ça, quoi prenez. Donc, on prend que, nous avons toujours dit, nous avons ouvert pour tout le monde. Et nous montrons nos preuves, nous parlons avec tout le monde, que nous comprenons ce que nous avons, et nous politiquons, les adversaires politiques, nous parlons à tout, nous chita, et nous discutons avec, par exemple, Dr. Claude Joseph, nous discutons avec, et le sénateur Maurice Jean-Charles, nous discutons avec presque tout le monde, dans toute une classe politique, pour nous recommander de Cap Chita et aider Haïti à sortir dans le trou qu'il y a là. Donc, oui, nous pouvons chita à tout Haïtien. Nous pouvons demander à tout Haïtien pour nous recommander. Nous avons tranquillité, tout le monde dans le pays, pour nous avoir la paix sociale et pour Haïti qui a monté sur le développement. Qui est la jeunesse haïtienne ça? Alors, qui est la jeunesse là? Dans la révolution, ça, et que vous apprenez, et qui sont attendre en retour. Bon, avant la révolution, nous, on est, comme il y a la série, dans avant, donc je ne sais pas, un rôle de toujours. Et dans tout pays, c'est jeune toujours. Surtout dans toute révolution, dans les pays, que la révolution française, que les communes, et encore à Paris, que toute bonne révolution, que la révolution Fidel Castro, la révolution Chavez, c'est toujours des jeunes garçons entre 25 à 35 ans qui prennent contrôle du pays et qui essayent de changer et qu'on histoire du pays. D'ailleurs, le capitaine Traoré, je dis, que tout le monde a parlé de lui, et Burkina Faso, donc c'est des gens qui sont assez jeunes et qui prennent responsabilité devant l'histoire du pays et du peuple. Donc, nous souhaitons que jeunesse haïtienne n'a pas compris ça. Et il y a pas responsabilité et venir aider faire révolution parce que en fait révolution c'est pour nous lier, c'est pour la postérité, c'est pour une génération qui a venu. Donc nous voilà qu'à faire ça et tout. Faut que nous changer les politiques là, les fatigués, nous les salbaï dans les derniers 50 années. Donc je ne faut que je me place, il faut que je me prépare, il faut que je me tout, mettez-vous à point pour rentrer et venir aider l'évolution, donc aider. Haïtien, chaque fois mon jeune à l'école, chaque fois la BC apprend, chaque fois la paye son bagage ou bien émission, la parle, la BC guide le peuple, c'est parce que la commencé à travailler pour l'évolution. Sénateur Guy Philippe, comme initiateur mouvement révolution, ça haïtienne, qui pigou difficulté et mouvement révolution rencontré et qui d'après l'opinion publique, là, lit un petit peu au ralenti. Quelle difficulté mouvement à confronter? Je pense que ce n'est pas et ça, mon pensée, qui peut difficulté la révolution. La révolution a un problème que, par exemple, l'oligarchie, le système qui est en face, il y a bataille en face. Là. C'est normal, parce que le système est en danger, le système est en premier siècle. Faut le pousser, griffe. Le village a crasé, l'a soucé, et c'est normal pour essayer de camper et imposer encore. Et d'ailleurs, ouais, avec Baïkari, comme moi, que c'est tout le système, tout le monde qui l'a depuis 50 années, c'est encore c'est le même nom, c'est le même qui sont pour assouter pour voir encore une fois. C'est normal. Donc ça va étonner que le système n'est pas pris comme ça. Et ça va étonner que la classe politique haïtienne n'est pas pris comme ça, parce que depuis quelques années, nous sommes son classe et prostituée, c'est comme ça. Lui. Le plus gros frein, le plus gros problème qui fait l'évolution, font en ralenti, il va craper. Parce qu'en 3 mois, on va garantir, en 3 mois, ça nous fait. De Haïti, avant que nous commencions à trouver la révolution. Avec Haïti, je dis à la fois qu'il y a un peu de changement, il y a un peu de l'espoir, et il y a un peu de s'éclairer, un peu de et tout le monde veut changer, moi de changer, changement et qu'un peu de changement. Donc, il y a un gros pas qui fait la révolution. Bon, c'est vrai, et nous avons souhaité que nous aboutions déjà à plus de pouvoir là, qui pourra continuer avec tout le processus de révolution, mais ça n'a pas fait. Mais plus beaucoup de fois, m'a dit aussi, lâcheté, je le sens. Les jeunes haïtiens, ils lâchent, ils ont peur, ils ne peuvent pas entrer dans la bataille pour payer, ils ont tout plus chuté à la caillou, ils ont gardé en espérant, et puis ça va passer, comme ça a fait, c'est ça qui passe. Deuxièmement, nous avons une classe qui sont frais pour payer, les élites intellectuelles,
et puis et puis avec la classe moyenne qui même qui a mof qui pas camper sur rien c'est critiquer c'est chita c'est parler bel français dit ça ouais pour pays comment d'awel et comparer Haïti avec ses domaines comparer Haïti avec États-Unis comparer Haïti avec la France sans que eux même ne pas jamais faire rien vraiment sans que eux même ne pas jamais baïté vraiment pour nous jouer notre Haïti ça qui a parlé de l'IA et que refuser faire un sacrifice pour eux. Et troisièmement le grand problème et en Haïti, c'est que force publique et la police nationale surtout nous montre que son milice politique oui lui contrôlé par système là et de système là et vicieux mais l'argent mais de camper pour défendre un système qui est pas bon pour eux qui pas bon pour les citoyens qui va bon pour l'IA mais on est Haïti peut-être parce que bah a fait travail qui va gagner un chômage et bah n'a pas de petit avantage n'est pas prêt pour faire n'importe qui crime pour assurer qu'un système qui va vous camper. Donc, la police nationale, là, c'est un élément qui fait que le grand peuple, là, pour qu'on arrive. Sénateur. Sénateur. Allô, oui. Et qui ça peut pas ici doit attendre de révolution, ça, ou même comme avant-gardiste, ou à prôner? Vous savez qu'on est que bientôt, on a bon Haïti côté. Haïti, comme on est vraiment, on souvient. Nous sommes un peuple souverain. Nous avons Haïti côté, Haïtien pas propre pour dire c'est Haïtien, n'importe côté au campé dans le monde. On a Haïti côté cap de travail pour critiquer. On a Haïti côté les jeunes garçons, jeunes femmes. Si l'école a connu mon bagage, l'État préparé pour lui, il a quitté son chef et place pour lui pour venir et des nations arriver côté l'État. Nous avons Haïti côté pas de grand vous. J'ai toute ma vieille image qui a voulu et toute la télévision. Ok, on parlait au grand point qu'on signale là qui est très important. On parlait que grand peur qu'a jeunesse là. Est-ce que c'est pas amateuriste politique yo et vieux fonctionnement de politique aérie qui fait que jeunesse là lui dit lui prenant de l'eau chaude, lui ouais de l'eau frette là, lui peul. Est-ce que c'est pas un manque de maturité politique là Kaili? Est-ce que c'est pas acteur classe politique là qui trace mauvais exemple, qui pas stimulé jeunesse là à rejoindre aussi rapide? Lui dit l'aptane pour le reste, si son bagage sérieux. Tablier à moi si t'es qui bagage t'as marché bien, on va pas parler de révolution. Le fait qu'il n'a pas eu de révolution, ça veut dire que la classe politique là, que tout le monde a osé, ceux qui m'ont échoué, ceux qui m'ont travaillé pour le pays. Et chaque pays, regardez tout pays de révolution qu'on connaît, je n'ai sûr, et c'est même, il y a des faits face à même si le bagage ça, politiciens corrompus, politiciens qui vont sur un des pays, politiciens volés. Que ça pour Guinée Faso, que je sois avec les Zulans, que je sois à Cuba, que je sois à tous côtés qui n'ont parlé de révolution, et la France, c'est comme ça, les faits. Donc, c'est même pas qu'à la Haïti. Si jeune français a été capable de dire, ah, on a dit, comment on va habiller, oui, nous va faire politicien conscience, et il n'y a pas d'abord la révolution française, pas d'abord la révolution burkinabèse. Et si Thomas Sangara a été fait, même là, tout le monde a gardé à plein, et puis jeune, il a gardé à plein. C'est justement parce que, bah, c'est au pape marché, c'est justement, bah, il n'y a pas bon, qui fait fonctionner ça, lui-même, il prend responsabilité. Sénateur. Il y a une question qui est extrêmement importante. Qui genre révolution ouais domaine ça yo? Éducation. Nous perdons du valeur nous, parce que en 1960, les Otap parlaient de africanisme, nous te baille contribution nous, c'est nous mêmes qui développer
en pile pays en Amérique latine qui fait que yo indépendant. Dans pays africain, le Togo, le Congo, le Bénin, le Sénégal, comment révolution compte aborder domaine ça yo et rebaille Haïti haïtien valeur te gagner sur plan international. Nous même et nous-mêmes autour de 2004 j'ai un travail pour mettre sous pied un programme assez révolutionnaire à l'époque là et c'est qui était basé sur la voie endogène du développement pour songer que nous poser question ça et nous réponse à question ça et bien entendu bah, là, il a changé, il a évolué, mais nous avons dit que dans le domaine de l'éducation et de 2004 à aujourd'hui il n'y a pas de bagaille, il n'y a pas de bagaille qui changeait sinon que il y a une plus mal dans la même direction, nous, un pays, côté où il y a une éducation à deux vitesses, côté, il y qui saute la ville, là, il y qui gagne l'argent, lui-même, les capes, les petits, les l'école, il congrégane, les gens, les là, qui préparent aux provinces pour aller contre le pays à demain, et puis, il y a qui gagne l'argent, vous, les petits, les équipes, l'école, Bobèche, Gagotte, côté professeur, faire coup, les OV, même professeur, qui a fait coup, dans l'école, regarde, sur CEO, dans l'école, et population, mais et population allée à nous, on voit que vous parlez l'école, vous parlez de classe, vous quittez l'élève vous compte, qui fait que il y a pas chinois élève nous, et dans la section communale nous, dans la ville de vous, l'école presque, ils sont joués de et on voit que l'élève, pas de monde qui vient livre dans la si vous prenez un cahier, vous venez prendre note, et les gens qui vous prennent notre truc, vous pas même un tableau, pas même un banc, et le professeur a lui-même, il va même préparer pour le faire pour moi. Les gars fait pour, par exemple, dans le troisième, secondaire, dans le retour, et comment on a eu SS2, NS3, et puis les gars lui-même, il va même faire un bon second, peut-être lui, mais le professeur, retour, le professeur Philo, donc, il faut que nous ayons ça très au sérieux. Et parce que et même on a demandé tout élève nous aujourd'hui à la et pour nous bah créole la force pour nous aider Timoun c'est créole qui l'aide nous c'est vrai c'est éducation favorable c'est vrai mais nous pas jamais fait rien pour nous assurer que tout niveau université fait en créole Timoun on a demandé pendant l'école classique là seulement créole et puis quand il est venu à l'université il y a tout niveau tout ça vient ouvert c'est en français même pour demander un job c'est français donc on va dire que il faut qu'on pense sur ça. Si c'est que là que nous décidons vraiment avec l'angle officiellement et français avec un deuxième langue, il faut que nous assurions que l'élève qui étudie et en créole là dans l'école classique, les jeunes livres au niveau universitaire et niveau maîtrise, niveau doctorat qui est en créole tout, et l'élève va aller un job, pour jeune job et pour vivre avec créole. Donc nous passons l'éducation et nous avons plus de pour faire pour lui, il faut que nous convention à niveau. Il faut que nous fassions les venus manger tout le à l'école. Oui, il faut que je ne sais pas manger. Il faut que nous fassions les venus dans l'éducation. Il ne va pas manger la caille, le professeur ne pas manger la caille. Il arrive dans la classe à tout le monde. Il va une table et vraiment vrai. Ni dispenser ça pour vous, ça va dispenser. Il va aller même pour l'apprendre, ça pour l'apprendre. Et de là que nous tombons dans la bagarre avec Kinsi, qu'on va aller à la. Sénateur, bonne question pour vous. Et pendant que vous avez une question, un auditeur qui soulevait la question ça tout. Question grand goût. Qui finance commande, moun qui contrôle tripou, ventou, li contrôle tête. Qui sa révolution ça? Qui plan qui gagne pour retirer vente nous dans men Taiwan? Pour la Tibonite rebay du riz. Pour on côté dans plein nan rebay du riz. Qui sa révolution pral fait tout sur le plan aménagement du territoire? Terre qui ka fait manger, c'est la danyo batikay. Question Taïwan, qui soit fait pour retirer votre nom dans mes Taïwan? Je pense que vous-même, vous avez un gros parti dans les réponses, puisque j'ai encore une fois, vous travaillez ensemble avec nous, dans l'élaborer et le programme, le projet de développement, qui est basé sur la voie endogène de développement. Et malheureusement, depuis après Duvalier, nous avons un agriculteur qui presque pas glissé encore. Mais vous assurer, vous craser les productions nationales, nous, et vous favoriser et de financer tout le monde qui n'a en question d'importation massive en série de bagailles que Haïti a produit. Mais la première bagaille que l'a fait, c'est Haïti, Haïtien mange du riz au moins, chaque grand Haïtien mange du riz au moins en fois par jour. Même le malade, il dit qu'il mange du riz, mange du riz. Pour montrer que le peuple a vu qu'il a dit qu'il mange du riz. Or, tout du riz que l'a mangé, 60-80% du riz, c'est importé. C'est importation. Nous n'avons pas l'argent. Nous avons un dollar américain, comment on a payé tout le bazar? Or, nous avons payé une pays, nous avons produit assez de durée pour nous donner tout le peuple de manger. C'est ça que fait. Dans la révolution, on nous dit, dans le premier 100 jours, le premier 100 jours, c'est assurer, depuis le consommer jusqu'à Gonaïve, que tout le bio
et la Tibonite, qui va dans la mer pour l'irriguer, pour l'irriguer tout le reste de nous, tout le bagage nous, parce que Haïti, c'est terre irrigable. Nous disons que c'est terre irrigable pour nous faire tout le peuple nous manger. Donc, si nous bien seuls, si nous parlons de faire irrigation, nous faisons chaque hauteur, chaque hectare de terre, nous, au lieu de faire 3,5 tonnes de riz, pour nous faire 4 jusqu'à 7 tonnes de riz, c'est la République Dominicaine qui a fait là. Nous avons une vraie jeune à l'étudier, pour prendre technique ça. Si vous voulez aider nous, bon type de aide de qualité ça, former jeunes pour nous, pour retourner nous servir, pour nous faire hectare de terre, nous, fait manger pour faire. Donc, valez la Tibonite, si nous faisons. Pour le programme ça, si nous irriguons depuis le poisson de l'Hexagone, nous allons garantir que tout du riz que nous besoin, sans que nous avons besoin d'importer du riz des États-Unis ou l'autre pays. Nous avons la vallée des cailles. La vallée des cailles, c'est ça qu'on fait. Tout côté du riz de la fête, là, le caille, on va construire caille sous toutes. Bon, mais sous presque toutes. Je vous vois parler de urbanisation, programme d'humanisation. Côté pour faire manger, mais vous assurez, vous faites nous construire là-dedans. Côté bien, vous avez des pour quitter aider dans la réduction, vous assurez, vous faites construire gros cailles pour nous pas jamais capter une autosuffisance alimentaire. Mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, nous avons assez de terre qui est irrigable et pour nous faire céréales et nous avons assez de terre pour nous faire tubercules. Grandesse jusqu'à présent, nous avons tout ça besoin pour lui permettre que Haïti ait une autosuffisance. La tuberculose. Et même nous avons une sécurité alimentaire en Haïti, non, tant qu'il moins que 4 ans, nous avons une sécurité alimentaire. Faut que nous réouvrions, ça que les magasins de l'État. Faut que nous réouvrions. Faut que les magasins de l'État, faut que les paysans lui-même, pour prendre goût, pour planter, pour prendre goût, pour faire agriculture. Parce que si nous prenons des séries agricoles, non seulement la bonne, mais le marché, la production risicole, nous, la production de l'autre bagage, nous, que la déporté. Donc, moi, c'est que oui. Si l'État prend les bagailles, il faut que nous protégions l'agriculture. Aucun ne va dire que l'État n'a pas protégé l'agriculture. Mais en fait, la France, là, les États-Unis font chaque jour, tout le monde fait. Tout le monde protège l'agriculture. Tout pays a fait. Tout pays a fait, justement. Le monde, son village global, il n'a pas fait. On a ce temps, tout le pays a fait. Sénateur, vous parlez de révolution, c'est-à-dire que pour une virer cette terre, c'est un coup, on terre. Ou rabourer terre, ou changer le phase. Après Jean-Claude Duvalier, parti, pied pays a chapé. Yo krasé minoterie, yo krasé ciment d'Haïti, yo krasé huilerie nous te gagné yo krasé toute industrie nationale yo. Qui ça pral fait pour Haïti retrouver sous chemin de production nationale li? Qui première décision révolution pral prend? Est-ce que son révolution pral négocier avec Tilolit Gotrit? Est-ce que son révolution pral fait pour rebaille production nationale la place li? Parce que l'ordre de production nationale, c'est plus gros âme yon pays. Pas oublier que pendant que je parle à la plus gros propriété de l'État, c'est l'État.